Mais lancé, qu'est-ce que tu nous as fait alors? Je crois que c'est les amplis à micro. Ah, c'est marrant, ouais. C'est les amplis à micro, il me semble. Ouais, c'est assez vieux. Ouais, c'est les receveurs. Intéressant, ouais. On est sous un pont qu'on n'a jamais fait. Donc voilà, c'est la rivière, c'est le fleuve Aude, donc pas mal d'eau. On est en compagnie de Alex, il y a Scotty5 qui va bientôt nous rejoindre. Et il y a Gaëtan qui est là aussi, bien sûr. Et ouais, c'est prometteur ici, c'est assez profond. On va voir ce que ça donne, on va faire un lancer en direct après. Vas-y. Ah, j'ai des câbles. Ah, ben non. J'ai des câbles bizarres. Oh, c'est quoi ça? C'est un... Ah, mais ça, c'est un morceau de voiture, ça. Ah, non, c'est un carbone de mobilette. Ouais, ah, de mobilette, ok. Eh, bien, ça va. C'est bon signe. Ouais, ouais, c'est bon signe. Voilà, on a quelque chose de gros. Si, on a la disqueuse, t'inquiète. Quelque chose de gros qui bulle bien. Ah, papa. C'est venu un peu, je crois, non, au début? Ouais. Avant de lâcher. Ouais, par contre, l'endroit, il est relou. Oh, ce spot, je l'aime bien, moi, les gars. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'aura pas fini. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Attends, je sais pas. C'est une grosse barre, je sais pas. Il y a du rouge. Je sais pas, attends. Il y a peut-être pas que ça, mais... Ouais, c'est vieux, hein. Pour sortir. Ouais. Non, c'est vraiment là. On dirait une vieille mobilette avec des pédales, il y a déjà les pédales, ça c'est sûr. Attends. On va tourner dans derrière ce matin. Attends, j'ai essayé de l'attraper là. Tu fais ton poil, chalou. Il y a une pierre avec, regarde, il y a un rocher avec. Il y a des rochers dessus. Ouais. Forcément, c'est lourd. C'est... Putain, regarde. Oh oui. Ah, je vous l'ai dit, les gars, vous sentez le gun aujourd'hui. RT, RT. Incroyable. Regardez. Il est fossilisé. Putain, bien vu, Alex, t'imagines, on le prend, ouais. Le jette. Magnifique. Ouais, il est vieux. Regarde français, les rochers dessus. Laisse les rochers dessus. Laisse les rochers, vas-y. Laisse, c'est rigolo. C'est, en vrai, celui-là, je pense on pourra pas le restaurer, donc autant le laisser que les rochers, c'est plus stylé. Je pense. Ouais, ouais, c'est vrai. Ah oui, regarde l'état. Ouais, il est mort. Hein. Il est mort. Mais c'est joli. C'est un truc français, ça, non, FR? FR, ouais, ouais. Magnifique. Belle bête. On va le prendre au soleil. Tiens, Alex, photo aussi avec Alex. Au soleil, venez au soleil. Moi, je sentais le gun ici, les gars. Ah, voilà, là, on le voit bien. Ah, il est fossilisé, hein. Ah, mais gaillard. L'état. Lui, tu sais qu'il a passé quelques années. C'est peut-être Seconde Guerre mondiale. Ouais, ah, quoique, peut-être plus récent, c'est un pistolet quand même. Je crois qu'il est bien. Non, mais frotte pas, il est mort dessous. Hein. Là, je reconnais qu'il restera rien. Si bah, tu c'est comme le. Ah, y a pas de chargeur. Ouais. Il y a peut-être le chargeur par là. Ouais. Bon, bah super! C'est incroyable! Ouais! Avec les cailloux, franchement! Et en fait, il était fossilisé au vélo. Au vélo? Ouais! Et donc collé au vélo. Ouais! C'est bizarre qu'il y ait quand même des cailloux sur le vélo. T'as vu, il y a des cailloux sur le vélo! Mais du coup, faut regarder le vélo de plus près parce que ça se trouve, c'est un peu la même époque. Peut-être! Puisque tu vois, il était au-dessus. Ouais, ouais! Il était collé sous la selle. Ouais! Bien joué, les gars! C'est peut-être la même époque, ouais! Mais là, à mon avis, il y en a pas. Regarde, plusieurs trucs! Ouais, il y a un caillou dessus. Ouais, ouais, le vélo. Regarde, t'as la un fossile de vélo. Les archéologues, non, ils vont trouver ça. Non, mais je te jure, regarde. Ouais, c'est vraiment un fossile. Ouais, c'est soudé dessus. Ouais. Avec les années. Garde-le comme ça, je pense, celui-là. Ouais, on va le garder comme ouais, ça. Ouais, parce que tu peux pas restaurer ça. Mais tu vois, peut-être faudrait le mettre dans l'eau. Ouais. Qu'est-ce qu'on a de beau? C'est lourd. Ah, c'est du bois, non? À mon avis, il n'y a pas que du bois. Non, il n'y a pas que du bois. Non. C'est un pot? Ouais. Ah ben, à mon avis, il y a le reste de la moto, il y a le carbu. Ouais. Sympa. Ok. Ouais, tiens, même pas. Ça, je vais mettre dessus. Hein. Ah, ça accroche bien. Ça, ça doit être. Oh! C'est bon. Morceau d'échafaudage ou un truc comme ça, non? On dirait. Oui, c'est un bout d'été, ça va, t'as les coups, t'as les. Dommage. Ouais, une belle bastos de la guerre, elle a l'air grosse quand même. Elle est plus grosse que du car 98, hein. Elle est longue, hein. Elle est longue. Est-ce qu'il y a une année là? Ouais, je sais pas. C'est la guerre, ça. Mais ouais, c'est peut-être la guerre, ouais. Belle trouvaille en tout cas. Aime quelque chose. Plus qu'à trouver l'arme. Oh. Là, on avait coincé un aimant, on a envoyé le deuxième pour le décoincer. Et souvent, quand on fait ça, on arrive à coincer des trucs entre les deux aimants. Et c'est là qu'on fait les meilleures trouvailles. T'es prêt? Vas-y. Là, je pense qu'il n'y a rien. De l'algue. Ah, si. Si. Ok.
Ouais, bon. Là, je l'ai. Juste une plaque. Ah, c'est pas vrai. C'est quoi ça? Ah, en vrai, il est en métal quand même. Il te manque la culasse. Il est en métal. Hein. C'est du plomb, ça, non? Ouais, peut-être à plomb plutôt. Hein. Pas à billes. Non, c'est pas à billes. Ou à 22, peut-être. Aïe. Peut-être à 22, ça. Mais franchement. Aïe. Mais REC, ils font des 22. Hein. Ils font des 22. REC, c'est eux qui ont fait le revolver que t'avais trouvé là, un coup. En 22. C'est REC aussi, la marque. Ça fait cheap, hein, mais. C'est une marque allemande. Peut-être que c'est un 22 pourri. Hein. Mais ouais, je pense plus à plomb aussi. Hein. Bon, c'est gros pour du plomb. Ouais, peut-être pour du 22. Bah. En vrai, c'est de l'acier. Marrant, hein. C'est bizarre qu'il n'y ait pas les chargeurs. Il y a rien. Ouais, bah là, regarde, tu regardes, l'autre, le chargeur, il est à peu près pareil. Mais il est beau, il est rigolo. C'est dommage qu'il n'y ait pas la culasse. Mais ça doit valoir que dalle aussi. Ça doit être vraiment les pistolets qui coûtent le moins cher. C'est les pistolets à braquage. C'est quoi le bordel, il y a marqué REC. R-E-C. C'est du plastoc en plus. R-E-C, quoi. Ouais. Tu mets. 8 mm. Pistolet REC 7,65. Ouais, ça peut être dans le genre. Donc c'est des vrais. C'est un vrai. Pistolet semi-automatique. Combien ça vaut ça? Ça vaut 200 balles. Oui, c'est ça, ça vaut que dalle. 200 balles, voilà. Un pistolet à 200 balles, c'est vraiment. Ouais, c'est peut-être ça. Hein. Ah ouais, ouais. Ok. Voilà, donc une arme encore. Deuxième au même endroit. Ouais. Non, c'est le même. Ouais. Si, c'est le même, ouais. Si, ouais. Ah, j'ai une bestiole. Bon, vas-y, faut trouver l'autre bout par contre. Il y a deux chargeurs comme il est, c'est sympa. Bah, faut trouver les deux chargeurs et le. Ouais. Faut chercher le troisième aussi. Allez, deuxième gun de la journée, les gars. On se met bien aujourd'hui. Rasta, tu les surveilles. Faut pas oublier que qui dit pêche à l'aimant dit aussi pas mal de galères. On vient de sortir le trail. Il y a combien d'aimants coincés encore là? Deux. Ouais, deux. On peut coincer un aimant, mais pas deux. Ah, on a coincé cinq, c'est vrai, déjà. Ah, bien joué. Deux aliments. Et le deuxième, t'es juste au bord, Quentin? Ah non, même pas. Ah, il est pas bien, il est où? Il est quasiment au même endroit que moi là-bas, lui. Ok, bon. Un aimant sauvé. C'est comme nous, vous voulez pêcher des amplificateurs radio ou des trucs bizarres qui ont des antennes. N'oubliez pas. Si vous voulez un bel aimant, passez par Maison de la Détection. Ici, on a le Barbarian, donc c'est le plus puissant, 1600 kg. Mais vous avez une gamme avec différentes tailles et différents poids. À partir de 800 000 kg, c'est très très bien. Et c'est nos partenaires, donc on a un code pêcheur de trésor qui vous offre 5% sur toute la boutique. À savoir qu'ils font des aimants, mais aussi des détecteurs de métaux. 800 000 kg, hein. Ouais, 800 000 kg, il a 800 000 kg, hein. C'est vrai. Rasta, tu valides 800 000 kg? Non, il valide pas, regarde. Bon, ben, on a trouvé de tous les côtés, pas moyen de débloquer l'aimant. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par le pont. On va nous envoyer la corde. Donc à 10 mètres de haut. Ouais, facile, ouais. Ça fait déjà plus d'une heure qu'on est bloqué, qu'on peut pas pêcher. C'est aussi ça la pêche à aimant dans les endroits compliqués. Mais ça valait le coup parce qu'on a fait quelques trouvailles déjà. Tiens, je monte. Allez, monte. Mais là, c'est dégueulasse. Vas-y, on va l'accrocher à ça. Accrochez-nous, Rasta. Il y a pas de problème. Oh, la colline. Rasta, tu veux faire. Ah, Billy, ma gueule. Chiche. Ça, ça sert pas pour les pêcheurs. Ah, lui, le fond de sa corde. Ça sert d'un pas. Allez, vas-y, tiens! Allez, tire! Bon, là, il va falloir peut-être monter les aider en soi. Je suis pas sûr qu'ils y arrivent. Allez, continue, monte. Non, en montant. Ouais, lequel qui tombe à l'eau, ton avis? C'est venu? Ah, c'est venu? Ouais. Bon, bah. One shot. Voilà. On s'est fait chier pendant une heure, alors 30 secondes. Allez, bah, on a tous les aimants sauvés! On applaudit! Bravo! Bon, on a réussi à décoincer les mains avec Scotty 5. On est maintenant en haut du pont. On va tester quelques lancers, même si c'est pas notre spécialité, nous, du haut du pont. Ah, I believe I can fly. I believe Dutchman. C'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? J'ai quelque chose. Une arme, une arme. Une arme. Ouais. C'est quoi ce bordel? Il y a une plaque, j'hallucine. What the... C'est une pelle? Genre une bêche? Ah non, c'est les trucs là-dessus. C'est une bêche, on dirait, non? Non, c'est, ouais, non, c'est un outil de jardin, oui, c'est une bêche. Ouais, c'est une bêche, mais elle est pleine de béton ou je sais pas quoi. Ouais, parce qu'ils vont nous faire du morceau avec. Ouais, ça doit être ça. Dédicace à pêche aveuglément. La belle chemise, regarde. Bien joué, ça. Là où j'étais, là. Ouais. Tu vois, il y a l'algue verte là? Ouais. Ça s'en va là? Ouais. Il y avait un truc. Scotty, j'ai eu un truc direct. C'est trop lourd. Oh merde. C'est trop chiant.
C'est de la merdasse. Putain, il va tomber, non? Attends, fais gaffe. J'essaie de le choper. Oh, on dirait une pièce historique. Échafaudage, non? On a Scotify qui s'est trompé, qui pêche dans le seau des découvertes. Ah ouais, fais gaffe à la plaque, ouais. Je la soulève, mon cousin. Ah ouais, eh ben vas-y, mon Et j'ose même plus lancer là-bas, maman, si on a... Ça fait des étincelles. Si on a d'autres. Ah, ça fait des étincelles. Regarde. Ah, mais... T'es prêt? Voilà, regarde quand ça fait des étincelles. Ah. Ah ouais, tu jouais? Ah. Allez, vous nous faire toi pour qu'on saute. On a découvert le feu. On a redécouvert le feu. Ça, c'est de la belle. Regarde, regarde les taches. Oh, les gars, regardez les taches. Mais c'est quand j'ai tiré, regarde. Ouais, c'est de là-bas. Oui, quand j'ai tiré. Ouais. Ah, c'est ça quand j'ai tiré, regarde. Eh oui, mon cousin, c'est un Vespa. C'est un Vespa. C'est un Vespa. C'est un Vespa. Ouais, je sais pas ce que c'est, mais c'est un gros Vespa aussi. Salut. Ouais, un gros tigre. Ouais. Alors là, il faut tourner, j'ai le steering. Tiens, c'est trop lourd là. Ça doit faire 60 kg. Vas-y, c'est dit, on arrive. Regarde mon cousin. C'est du béton. C'est une enclume. C'est le marteau de Thor. C'est le marteau de Thor. C'est le marteau de Thor. C'est lourd, hein. Ah oui, il est causé. Allez. Attention au dos, hein. Hop, attention, t'inquiète, t'inquiète. Salut. Allez, allez, pas vous faire, allez pas vous faire mal au dos, les gars. On fait un relais, on fait un relais. Vas-y. Bon, ça vient pour Marie. Ah ouais. Oh putain. Bon. Il a pris le dommage. Eh, désolé, Thor, il est arrivé. Ah, bien joué. Merci en tout cas. C'est quoi, c'est l'aimant qui est lâché en fait? Non, ouais, non, c'est... Ah, ça, bah, ouais, tu peux le repêcher. Ouais, je peux le repêcher, ouais. Vas-y, mais remonte. Mais je sais pas si ça vaut le coup. Mais si, c'est un ferraille. Ouais, 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 il doit y avoir une moto aussi, ouais. Putain, que des porcs. Un échafaudage. Les mecs, ils sont venus jeter un échafaudage complet en fait. Ça me déconne au prix où ça coûte, quoi. Vous pêchez du poisson ici? Ouais, c'est sûr. En théorie. Ah, le cire, hein? Ouais, voilà. Bah là on allait y aller. Ouais. Bon, on va aller plus bas. Hein, non, de toute façon, on va pas trop tarder, je pense. Ouais, bah nous on va aller plus bas, on avait l'intention d'aller tester. Vous accrochez pas trop, ça va? Ça va. On nous pêche on pêche en flot tube surtout. Ah oui, ouais. Ah ouais. Surface flot tube. Combien de puissance l'aimant là du coup? Celui-là, normalement, c'est 1600. Dans tous les cas, ce truc qui fait 100 kg, c'est le maximum, quoi. Ouais, ouais. Bah les carcasses de voiture, ça va bien. Hein. Après, quand il y a des motos, quoi, on treuille, mais. C'est voilà, clair, ouais, tu tombes sur un truc là, possible à lever, t'es baisé en fait. Ah ouais, bah, ouais. L'aimant, c'est compliqué hein, quand il se coince entre les rochers surtout. Ah, il y a ta chute là-bas, regarde. Et oui, là-bas, il y a. C'est un YouTube, t'as dit? C'est pêcheur de trésors. Pêcheur de trésors. Eh bah, écoute, vous êtes ici, ouais. Tôt. Ouais, bah, vous apparaîtrez en vidéo si ça vous dérange pas pour la tentative du marteau de Thor. Cherche pas ta Thor. Les pêcheurs de cire, regarde ça. Allez, on va pêcher. Allez, bonne pêche. Merci en tout cas. Merci. T'as juste, c'est plus loin, mais on va laisser tomber le marteau de Thor, il est trop lourd. On va se péter le dos. Ça vient. C'est peut-être encore un morceau d'échafaudage. C'est pas léger, quoi. On a un bout nous aussi. Échafaudage ou quoi? Ouais. Non. Si. Bah si. Si. Putain, j'ai les mouches. C'est pas sur moi. C'est pas sur lui. Attends. Non. Ah oui, on a la passerelle de l'échafaudage. Ouais, regarde la passerelle. Ouais, on dirait. Oh, ouais. On a quelques barres en bas, ouais. Putain. Bon, ça veut bon pour le ferrailleur. Putain, m'énerve ces mouches, les petits moustiques. Mais c'était ça aussi qui pouvait nous bloquer. En vrai, si t'as ça dans les rochers, tu galères. Hein. Eh, mais ça, c'est. Attends, mais c'est un. Non, je sais pas, mais c'est pas un mouton. Hein. Mais est-ce que c'est. Baptiste! Sanglier? Baptiste! Regarde, on a trouvé une mâchoire dans l'échafaudage. Il y a une mâchoire. Une mâchoire. C'est une mâchoire. Il y a les dents et tout avec, hein. Mais pas d'homme. Malheureusement. Ah, il y a les dents vers l'avant. Ça, c'est un indice, là, dents vers l'avant, comme ça, là, mais... Ouais, je sais pas. Si vous savez, en commentaire. Les chasseurs. Ouais. Le mec est mort. Je sais pas.
Rasta, on a besoin de toi pour identifier. Kouyouki ça. Kouyouki. Il s'en fout. Encore une passerelle d'échafaudage, ce qu'ils nous ont fait. Amenez-la moi. Vas-y, tirez. C'est bon. Là, j'ai un truc bien, je le sens. Non, même pas. C'est une cisaille. Oh. La pète pas, celle-là. Ah, c'est un coupe-boulon. Coupe-boulon ou cisaille? Non, c'est pour le bois, ça. Ah ouais, c'est le bois. Bon, c'est sympa. Je vais voir. Elle a abîmé. Ouais, elle est grande. Je crois que c'est un gun. Non, quoi que. Wow, c'est ouais. Je suis pas sûr. Ah si, c'est un col. Une stèle. Oh là 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 là. Yes. T'es sûr? Je compte sur toi pour la restaurer. Mais t'es sûr que c'en est un? Eh oui. Vas-y. T'as fumé là toi? Wow. T'en es un? Non, c'est trop fin. Oh, t'es déçu ou tu es pas déçu? Hein? T'es déçu? Eh ben, tu sais quoi? C'est une hache. Regarde ce que c'est. S'il faut, c'est une hache préhistorique. Ah! Ah, on dirait une vieille hache! Ouais, c'est vrai! Ah, du coup, c'est stylé quand même! Fais voir! Ouais, si, c'est ça, hein! Non? Ah, quoi que. Il est fossilisé! Attends, voilà, la nique! Ah, mais le manche est en bois ou en fer? Garde pour rester! Attends! Ah, c'est du bois! Ouais, c'est du bois! Ouah, elle est vieille! Ouais, hein. En vrai, c'est quand même très stylé! Ouais, elle est belle, hein! T'as vu ça? Ouais! Ouais, bah, t'es pas descendu pour rien aujourd'hui, toi! Tiens! Attends, j'ai retiré! Elle est fossilisée aussi! T'as vu, on dirait! On dirait un gun, ouais! Mais... Putain, j'ai trop cru, hein. Ça reste une arme, hein. Elle est incroyable, hein, en vrai. Ouais, elle est incroyable. Celle-là aussi, elle est incroyable. Je pense qu'on a rarement fait des civils. On hein. La mettre avec le gun dans l'eau et... Fouah, pareil, l'état qu'elle a. Ça, tu la récupères, hein. Ouais. T'enlèves les marteaux, il y a les cailloux, après, tu la récupères. Quand même tarif. Hein. En vrai, vaut mieux peut-être garder comme ça, c'est plus stylé, faut voir. Je pense que là, ça sera trop fin. Oh. Ouais. Oh. C'est quoi? C'est une montée en vitesse. Hop, oh. Envoie ton aimant dessus, tu lui voles. Oh, ah dommage. Je le chope là-bas. Et alors Rasta, une boîte de vitesse, t'es content? T'es content mon petit Rasta? Oh, il adore les boîtes de vitesse. Attends, regarde. Encore un coup et ça c'est bon, ok? Lâche la corde. Ah, bien joué. Elle est lourde quand même, hein. Oh, elle est remplie. Ah, oh, y a de la... lourd, hein. Ah non putain, c'est une bite d'amarrage, regarde, il y a de la chaîne. Ah ouais. C'est ça tu crois? Regarde. Ah oui, c'est plus ça. Ah oui, oui, oui. Je sais pas, mais il y a que de l'or. Il y a que de l'or, il y a rien pour toi, va t'inquiète pas. Il a pris un coup cet aimant. Il a pas les coques. Un aimant sans coque. Après, il marche bien du coup. Ah, lui aussi. Ah, il est long, hein. Ça va, putain, ça va pas rentrer ça. On a la disqueuse. On a la disqueuse, mais bon. Ouais, c'est relou. Jolie mamie. Attends, descends un peu. Ah, dommage. Qu'est-ce qu'il a pêché encore? Ça vient. Juste là? What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un morceau de poteau électrique aussi, je crois. Ouais, c'est ouais, pareil. C'est pareil, ouais. Attends, viens. Non, c'est un aimant. Ah non, ça va. C'est pas un aimant? Parce qu'il y a des trucs collés dessus. On dirait double face. Une enceinte. Ouais, c'est une enceinte. Il y a le tuteur là. C'est une enceinte avec un aimant, du coup. Ouais. Ouais. Bah, c'est une enceinte, c'est ce qui reste de l'enceinte. Ouais. Elles sont casse-couilles les mouches. Ah ouais, elles sont collantes. J'avais pas vu une. Tu mens, je t'ai vu tout à l'heure, t'en avais une sur la bouche. Ben je l'ai pas vu. Si. Non. Je l'ai enlevé après, je t'ai vu. J'ai pas fait exprès. Si. Non. Si. Ben non. Ouais, prends-moi, je m'en rappelle. Je l'ai mangé. Filmé même, je pense. Ah, je l'ai mangé, non? Non, tu l'as poussé. Non, menteur. Si. Toi, elle est sur toi, ta casquette. Ouais. Elle a le droit. M'en fous, tu vas avoir des coups de soleil ce soir. Filmé en train d'avaler une mouche. Ce soir, tu ce soir, t'auras des coups de soleil. Je parle pas au mangeur de mouche. Bah, mais moi, elle me gêne pas si je les mange. Un petit BZ. Pardon? Non, un petit DBZ. Ah, ça, c'est une première. Oh non, c'est la télé publique. T'imagines? T'es sûr, un clic-clac ça? Ouais. On vous décroche vos aimants. Ah non, c'est peut-être, en fait c'est pas une table. C'est un clic-clac.
Mais c'est clic-clac. Ouais, c'est bien clic-clac alors. Ah, c'est doublement froid. J'ai cru une table. Alors, bidon de la pêche. Deux armes, c'est très rare. Et ça, qu'est-ce que c'est? Après, ouais. Vraiment n'importe quoi dans franchement, deux jolis guns, ça fait plaisir, ça faisait longtemps. Ouais. De très belles trouvailles ici encore. Clic-clac. Oh oui. Oh, bravo. Ouais, bravo! Bravo Scott! Hein. Belle pêche! Mobilette! 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 Ouais, bien joué! Attends, Scott, t'as autre chose toi par contre? Scott! De quoi? Le vieux cadre! Le cadre! Vas-y, là! Avec ce gosse! Oh, c'est lui! Attends, tire pas, j'y mets toi! Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tamponner! Il me l'a mis dans la tête! Tu l'as eu? Non, il m'a mis des algues sur la tête! C'est bon, Alex? Ouais. Ouais, c'était un cadre. Et là, le mien là. C'est un disque. Ouais, toi c'est un gros disque. Pas un truc là-dedans? On va regarder s'il n'y a pas un truc là-dedans. Non, il n'y a rien. On reviendra ici pour une partie 2. Et d'ici là, on vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. À la semaine prochaine.